Allez, on est lancé dans ce deuxième match entre Esketouyang et Yuzu. Hop, je vais remettre l'overlay. Voilà. Et je vais aussi couper la prédit. Oh, ça mise surtout Esk. Même s'ils ont perdu le premier match. Et d'ailleurs, ils reprennent l'initiative. Avec Grip qui porte sa team. Et qui s'approche pour évidemment éviter la coop. Alors, Wanda qui se fait une zone douleur partagée. Petit Agi Spiri. Donc, pas de Lopo, peut-être cette fois-ci. Peut-être une baguetterelle sur ce sacrieur. Bon, cette fois, faut pas que j'oublie le point. Allez, on booste les nus avec la douleur et une folie. Le chauffeur qui booste la douleur partagée de l'ennu, bravo à lui. Allez, David qui a posé son Doppel, qui va essayer de conserver ses boosts pendant au moins un tour, histoire de mettre beaucoup de dégâts à l'un des joueurs de Yuzu. Le Doppel qui fait pas d'effort pour laisser le passage libéré. Alors, Roshi qui s'avance, qui veut a priori des buffs, ce Yop. Ouais, ça passe. Ouais, ça râle bien aussi. Et bon, il avait pas les boosts de l'Ossa encore, il s'était pas mis la maîtrise. Mais c'est vrai qu'il perd la puissance du Doppel, il perd 2-3 trucs quand même. De bravoure du Doppel, bon, tout ce qui est du Doppel quoi, mais son guide de bravoure lui... Ah si, il avait maîtrise. Il avait mis sa puissance aussi. Ouais, c'est vrai qu'il perd beaucoup là. Je pensais pas qu'il avait maîtrise. Allez, Overcast qui vient booster sa team. Par contre, du coup, l'Ossa, il est bien exposé. Allez, l'Axel de Yuma qui va aller mettre peut-être une désinvocation sur Scrackler et ça va le tuer. Corruption sur Grip. C'est vrai que la corruption en mode full opti, sans restriction de PAPM, c'est vraiment très très solide. 7 PA, c'est même pas la moitié des PA d'un joueur normal. Tu fais passer un tour pour seulement la moitié de tes PA, même pas. Solide. Allez, Wanda, qui est un petit peu loin de la mêlée. Mais c'est un sacrieur. C'est extrêmement mobile. Ça vient coop un chaffeur. Et on se place pour baguetter cette Ossa. Baguetter le feu. Et ça joue mode feu pour les rouges. Allez, Devil qui vient se débarrasser du sac animé. Le panda est stable, donc il peut pas tacler. Allez, amplif et ça va jouer à la baguette. Les dégâts sont pas incroyables vu que ce Yop s'est fait des buffs. Doppel qui enlève un PM à Oshigawa. Allez, Grip qui se fait des buffs. Faire les bonus de l'Ossa. Et il se fait renvoyer au loin. Alors, Overcast, justement. L'Ossa. Se retrouve entre le panda et les nus.
J'ai des marteaux. Et trois coups, donc d'Ugarto feu. Et les deux équipes qui se sont mis d'accord pour jouer feu. J'ai pas vu la baguette de Devil, elle est feu aussi ou elle était air? C'est Wanda. Elle était feu aussi, ok, donc tout le monde joue feu, donc. C'est assez rare, hein. C'est assez rare. L'équipe qui joue full feu comme ça. Ça allait un peu moins quand les boucliers sont pas aussi forts avec le Rogers, qui est une excellente arme feu à deux mains. Mais là, c'est vrai qu'avec seulement des armes à une main, c'est pas évident de trouver des dégâts feu comme ça. En vrai, il n'y a pas grand chose, hein. S'il y a la baguette réelle, mais bon, t'as quand même une grosse ligne R, même si tu l'as FM feu. T'as le Rizzo, mais il y a quand même une ligne terre. Enfin, bref. Ok. La City Feu, bon, c'est pas incroyable. Et donc, anneau de classe pour Gripalte qui vu le nez à travers le décor. On met le point, donc je vais en profiter pour mettre le mien. Je sais plus ce que ça donne l'anneau de classe en plus de la vulnée incandescente sans ligne de vue. Je vais de suite aller voir ça. Alors, 30 CC sur point d'attaque, on s'en fiche. Réduit de 3 le dé de relance du sort lien spiritueux. Donc ça fait que le Wasta, c'est tous les 5 tours. Ça, c'est fort, hein. Et désactive la ligne de vue du sort pendant le cul. Ok. Pas mal, mais ça va. Mais vraiment, le Wasta, 3 tours en moins. Ça veut dire que là, tour 6, il peut en réinvoquer 1. C'est vraiment pas mal, hein. Allez, des coups de baguette et le feu. Sur Yuma qui avait pris des vulnés. Qui est déjà à 1400 HP, peut-être même un peu moins. Eh, le Doppel, il tape feu lui aussi. Il en profite bien des vulnés feu. Et donc 1250 HP. Mais attention à Overcast qui n'est plus très bien non plus. Il va se faire isoler. Bah, il s'est même enfermé totalement Overcast. Ah, je pensais que Oshi resterait ici vu que le panda est stab. Après, Overcast n'a que 4 PM, donc il va pas aller bien loin. Mais il peut se rapprocher de son panda. Ok, ça vient au Garto sur le sacré. C'est bien vu. Ça réduit l'efficacité des transferts de vie. Mais bon, ça châtie le sacrière au passage. Oh, les bons roulages de pelle sur les vulnés. Ah, il a moins 21. Eh ouais, il a plus ses... Enfin, il a sûrement toujours ses 71% de reste R. Mais là, c'est une compo feu en face. Allez, Grip qui vient chercher son Ossa. Allez, quelques vulnés sur le sacri. Il va passer à quasiment 0%. Et moins 7% pour Wanda. Donc là, ça veut dire que au prochain tour, le Wasta, il a une relance coup de bambou. Et encore un tour après, il y a un deuxième Wasta qui peut arriver. On peut mettre deux joueurs en état affaibli. Mais tain, mais c'est trop fort, hein. Allez, des coups de baguette et le feu sur Gripalte.
devient de nouveau focus des rouges. Alors, des villes. Du coup, il y a des villes nées sur Wanda et sur Yuma, mais Yuma, il n'est pas accessible. Ah, ça va bon pour taper sur le sacré. Ça fait de bons dégâts, mais attention à la zone punie. Plus, c'est que 29% en neutre sur le Yop. 40 et 37% pour les autres. Allez, ça tape un petit peu sur Wanda qui passe à 3200 HP. Mais c'est toujours suffisant hein, pour soigner son Enu potentiellement. Mais bon, pour l'instant, il est porté par le panda. Salut, Isken. Allez, ça vient souillure sur le Yop qui se fait des buffs. Et ça vulnait le panda. Et Overcast, bah là il est enfermé. Il est enfermé. Oshigawa est stab. Et il a nulle part où aller. Pose une kawotte. Ça envoie des corbeaux. Le Prespix. Il a aucune portée sur son contre, je crois. Il peut pas donner. Ouais, il peut pas donner le contre. Allez, ça désinvo la kawotte. Le Yuma, il veut vraiment descendre. Non, il va juste taper au roulage de pelle. Ouais, tu dis ça, Isken, mais depuis que t'es arrivé, il n'y a pas eu un seul coup de coq. Allez, grippe. Et lui aussi enfermé. Il peut pas bouger Oshigawa. Et même si on peut porter un panda qui est stab, on peut pas porter un panda qui porte déjà quelque chose. Donc grippe ne peut pas sortir de là. Renvoyer l'Ossa vers le Yop. Il veut juste légumiser Oshigawa. Il va mettre des vulnés. Et il spicole pas donc. Pardon, attention parce que là, Wanda, elle a puni. Wanda qui peut tuer l'Ossa, je pense. Hein, avec une zone punie comme ça. Ah, je sais pas quand même. 1500 HP. Taco up le Yop. S11 PA. Ah, elle a puni à 900. Après, ça tuera pas. Il a que 7 PA encore le sacri. Il peut pas faire 600 dégâts. Un pied du sacri et un coup de baguette. 139 points de vie. Mais on est tour 5, donc ça veut dire que à la fin de son tour, Oshigawa va perdre la stab. Donc l'élu ne sera plus protégé. Ça vient taper sur le sacrieur. Et une vitalité sur Overcast. Le Doppelyob qui s'en fout, qui tape sur tout le monde. Allez, on rejette grippe altée. Mais comme on le disait, Oshigawa va perdre la stab. Et donc on pourra faire descendre Yuma. Overcast qui tient bon avec ses 300 points de vie. Est-ce que Overcast peut tuer Yuma? Ah, il n'y a plus de vulné sur les nuits forcément.
Mais il peut libérer Oshigawa pour pouvoir taper sur les nus. Ouais, il va faire ça. Ouais, bah full cac, de toute façon, il faut absolument tuer les nus, 300 HP. Et Yuma qui va pouvoir tuer... Ah, ça libé? Ah oui, les baguettes, et forcément. Et c'est la mort de Lossa, mais les nus est mal en point. Le Sacri est midlife. Faut absolument que Grip termine Yuma. Oh, heureusement la boîte de Pandore ne donne pas de soin. Et Yuma il peut pas se placer ici parce que sinon il donne une belle zone pendant l'attaque à Grip et c'est pas non plus une bonne idée. Quoi? Oh, il va. Il veut pas tuer les nus? Parce que là le Sacri il peut un peu soigner Yuma. Ok, ça veut full vulné Wanda qui passe à moins 11% feu. Wanda, il peut mettre quelques transferts de vie en vrai. Bon, c'est vrai qu'il est midlife, mais... Sauver son Enu, ça vaut le coup, je pense. La sacrifice, forcément. Il n'y a pas vraiment de dégâts de zone chez les bleus, vu que c'est un Yop feu et pas un Yop air. Est-ce qu'il... Après, il peut exploser le sacri, là, Devil. Il n'est pas boosté. Les belles tempêtes! Ça enchaîne avec des coups de baguette. Allez, un tour de full rocks, là. Et 500 HP sur Wanda. La puissance sur un panda picole. Bravo le Doppel. Et ça panda attaque. Bon, ça tuera pas évidemment. Et on vient essayer de secourir le sacri, mais de toute façon il y a le sacrifice sur les nus, donc Ah mais les nus il finit là. Les nus il finit largement. Et le Yop va se retrouver en 1v3. Ben il voulait pas tuer les nus. T'es dit que mettre des vulnés, c'était. Je sais pas. Peut-être qu'il ne tuait pas. Hein. Après, les pandas en 3v3, généralement, ils sont sur des modes soutien. Ils n'ont pas énormément de dégâts et peut-être qu'il s'est dit qu'il ne tuait pas les nus. Après, je pense qu'il tuait, mais bon. Sais pas. Ouais, je pense qu'il tuait, mais ouais, je sais pas du tout. Alors. Oh, en plus, ça EC pour Devil. Encore une fois. Il a pas eu de chance, hein, Devil. Fait un peu le ménage. Il a pas de PM à cause de la retraite. Tu les invoques pour pas que Wanda puisse se régénérer, mais bon, là. Là, ça semble un petit peu terminé.
Ah, Yuma qui prend la place. Ah, oh, ça corrupt. Ah, bon, y a rien à faire. Il n'y a plus rien à faire pour Devil. En 1v3, en plus, il est corrupt. Il a pris beaucoup de Julnéfeu. Feu. Merci, Cheesy. Ah, je vous avoue, avec le mode sombre de Twitch, je vois rien. Cheesy, ok. J'aime pas les modes sombres. Ah, les bons coups de bagatelle de Wanda. Bon, là, t'as parlé de full cac tout à l'heure. Mais dans cette situation, en 3v1, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Ah, Wanda qui a bug. Allez, ça vu le nez, ça vu le nez. Et Yuma va pouvoir faire le kill normalement. Aucune mort finalement chez Yuzu. Alors que cette ennemie a pris un sacré focus au début du combat. Nécrolage de pelle à 350. Ça va être une fin de BO. Et GG à Yuzu qui se qualifie pour la grande finale en battant Esketoyong 2-0. Contre toutes les prédictions, j'ai envie de dire. Hein, parce qu'Esketoyong, ils sont quand même connus pour être très très solides sur Galgarion. Après, c'est vrai que c'est un tournoi un peu particulier. Sans restriction de PAPM, sans restriction de bouclier. C'est un peu différent de d'habitude.